Et salut à toi qui regarde cette vidéo. Depuis la dernière fois, j'ai joué un petit peu. Enfin, depuis la dernière vidéo, quoi. J'ai été me balader un peu. Puisque j'ai fait, pas fait. J'ai été dans cette île là, où il y a un putain de boss de ouf. Où je fais pas du tout assez de dégâts. Il faudrait que j'y revienne plus tard. Faut pas que j'oublie. Enfin, je pense pas que j'oublierai. Puis j'ai été me balader un peu ici, mais bon, je pense que je suis pas censé être là. Je pense qu'il faut faire faut faire le scénario, quoi. J'ai amélioré un tout petit peu plus mon stuff, pas des masses, mais alors, je crois que j'ai mon armure que j'ai augmenté une fois. Les armes, non. J'ai amélioré une fois les potions, je crois. J'ai débloqué ce truc dans les apparences, mais je peux pas l'utiliser, donc je pense que ça va être un truc. Je crois que c'est la mission que je vais aller faire là. Et je me suis rajouté une barre de vie. C'est tout ce que j'ai fait. Ce que j'ai pu faire avec les quelques trucs que j'ai fait, quoi. Voilà. Donc, du coup, on va aller voir ça. Parce que là, la récompense, c'est un oiseau, apparemment. Donc, je pense que c'est ça le truc qui va me débloquer les oiseaux, là. J'ai pas de TP à côté, forcément. Ouais, autant partir d'où je suis, hein. Ok, alors c'est par là. J'ai trouvé des armures aussi, ouais, donc je me suis fait 3 sets préétablis là. Là, c'est celui que j'utilise pour me balader, puisque l'armure là me permet d'éventuellement looter un peu plus. J'ai une chance de looter un peu plus quand je ramasse, donc c'est pas mal. La capuche, je sais plus ce qu'elle fait, c'est pour l'arc, ouais. Voilà. Après, je me suis fait ça, c'est plus pour le combat. Où là, j'ai des bonus. voilà, sur l'achèvement d'un combo, j'ai plus 33% de dégâts. Et ça, c'est pour la défense, je crois. Ah non. La constitution d'un fragment. Ah oui. Pareil sur un combo d'achèvement. Je me suis mis ça. Et ça, c'est pour les boss uniques. Enfin, les boss, quoi, on va dire ça comme ça. Les ennemis uniques. Puisque ça, c'est pour les dégâts, 22%. Et là, la défense. Et ça marche que sur les ennemis uniques. Donc, voilà. Donc, voilà. Je n'ai pas fait grand-chose, hein, finalement. Mais bon. Là, je pense que maintenant, faut vraiment que j'avance sur le scénario, quoi. Bon, ça a l'air d'être là-bas, ça doit être derrière les montagnes là-bas. J'aimerais bien débloquer une monture aussi, parce que je sais qu'on peut avoir des montures, mais je les ai vues dans le magasin. Je sais pas comment je vais pouvoir les débloquer. Ça me permettrait d'aller plus vite. Que bon, à pied, c'est un peu long, quoi. Je sais pas, peut-être qu'on les débloque plus tard dans le scénario. Putain, les nounours. Ah, j'ai pas le temps. Ah, par contre, j'en croise pas souvent. Je sais pas trop ce que c'est, ces trucs d'ailleurs. Je sais pas si je sais pas si c'est le truc où j'en ai 7 là. Je crois que ça me permet d'améliorer les potions, je crois. Pas le.
à la quantité, mais le... Ah ouais, il y en a un autre là. Ah bah on va voir si c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ça me permet de... d'augmenter la quantité que ça régène et tout ça, quoi. Et plus... quelques additions. Ça va pas tout faire. Des fois, ta pu, elle veut pas looter. Je ramasse quand même, parce que comme c'est pour la santé, ce qui parle plus vite. Ça a l'air d'être bon. Alors. Bel éclair. Parce qu'il faut que j'aille à la statue. Hein. Si, c'est peut-être la grotte là. Tu peux le ramasser? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah non, mais ça, c'est une course, ça. Je dois avoir une course pas loin. Ouais, ça doit être ça. Donc, c'est pas ça. Ah non, c'est au-dessus. Shape. Too proud to quit, huh? Well, so am I. Phoenix! Stay away from that thing! What are you doing here? I saw the lightning strike. Naturally, I came right away to finish the job. Easy kills are a specialty of mine. Why am I not surprised? Well, I'm saving the bird, and I won't take no for an answer. No! It's a creature of Typhon! Wait, I'm having a vision? You're going to say? But it needs our help. Then I'll say, it's just waiting to kill us as soon as it has the chance! Then you'll say, Hermes, please, don't make me blackmail you! I'll tell Hera what you did! Then I'll say, you wouldn't. But I know deep down you would, so I agree to help you.
all the while looking for an opportunity as soon as you let your guard down to strike. Well, you got me cornered, kid. For now. Since Typhon brought that thing out of Tartaros, you'll need food from down there to revive it. The same food Hades fed to Persephone. Seeds of the dead. I only know of one on the island. Then I'm going to get that seed. Sit tight. Me or the bird? Because I don't think that thing can sit. Les dialogues, c'est vraiment n'importe quoi. Ok. Bon, je me disais aussi, c'est un peu facile. Hein. Juste à venir le chercher. Alors. Elle a l'air bien déserte, cette région. Là. Bon, le temps que je fais ça, je vais mettre pause. Bon, voilà, c'est fait. Que bon. Et toujours 10 plombes à trouver des trucs. Ah, maintenant, il y en a des violets, tiens. Nouvelle couleur. De toute façon, je pense que je vais tracer direct au truc, là. Allez, tout droit. Alors, je vais viser là. Qu'est-ce que c'est cette bestiole ? Oh mais je fais pas beaucoup de dégâts. Je fais que dalle en dégâts, oui même. Des potions, mais bon, c'est chiant d'être obligé de prendre des potions pour faire des mobs, quoi. Comme je suis en combat, ça remonte pas vite. Ok, ah bah voilà, je pense que c'est ça qu'il me faut. Barrez-vous là que je ramasse le coffre en passant. Merde, il y en a un qui reste devant le coffre. Non, c'est bon. Ah oui. Il tournait vers moi, ce bâtard. Bon, tu veux pas dégager, je ramasse le coffre, là. Ouais, bon, il y a le gros qui arrive. Ouais, laisse béton. Hey, proud guy. I've got the seed.
I'm sorry, kid. Come on, we'll go get some drumsticks. They're on me. Oh, well, that makes things easy. We got the drumsticks right here. Proud fellow. Kind of a stuck-up rare breed Typhon lit on fire, huh? If you please, Your Excellency. I'm going to name him Phosphor, after Phosphorus, the Morning Star. Phosphor says that he's still weak and needs to regain more strength. He'd like to offer to help you on your journey to repay the debt for saving his life. He, also loves the new nickname. Like, really loves it. Don't you, Phosphor? I told you this was the right decision. Helping an evil undead bird? Brilliant. I take it all back. You were totally on the money. That beautiful bird is offering to take us to Daedalus's secret treasure room. No way! The genius inventor who built this island! The one and only. He says there's a pile of Electrum with my name on it. Oh, yes. There's also a second seed of the dead that can make Phosphor stronger than ever. Would you look at that? Doing good deeds results in good deeds in return. Who would have thought? Is that a trick question? Because the answer is clearly no one. So, there are two clues that lead to this treasure room we need to find. And by we, I mean you. One is near the Dracon Bones, the second is near the Aqueduct. Isn't that right, Phosphor? I told you he adores his new nickname, right? Ok. Bon, j'ai pas l'impression que je puisse m'en servir. Hein. Je pense qu'il faut que je continue la mission pour. Ah oui, 2600. Ouais, t'es en train de me dire que c'est super loin en fait, quoi. Ah d'accord, là ça m'a débloqué l'original, quoi. Et du coup, je sais pas, parce que dans les binds, ça dit que c'est avec B, mais... j'ai essayé déjà quand j'ai débloqué celui-là. Enfin, même les autres, et, ça ne marchait pas. Je sais plus ce que j'avais mis sur ce truc-là. Ah, si, j'ai mis celui-là. Il a fait voir, est-ce que je peux l'utiliser ? Non, je pense qu'il faut que je qu'il soit plus puissant, quoi. Je pense. Ah oui, d'accord. C'est ces deux-là, quoi. Bah du coup, on va faire ça. Hein. Est-ce que je m'arrêterai pas d'abord ici? Ou alors en revenant? Je vais d'abord là. Ça va être long, hein. Ouais, peut-être que je peux l'utiliser qu'en combat, je sais pas. Bon, on va essayer de traverser tout ça. Ha!
Stylé. Chelou ces bestiaux là. Et c'est bien, ça veut dire que quand tu changes de zone, t'as quand même un petit peu de nouveaux mobs quoi. Ça c'est cool. Quoi, tu peux pas monter là? Qui couine comme un chien quoi. Ils ont l'air d'être balèzes. Hein. Oh putain, il y a encore un machin comme ça là. Allez, c'est moi tranquille. Ils ont l'air vénères de ouf. Hein. Je crois que ça va être compliqué de les affronter. Non, je pense que je suis pas encore assez puissant de toute façon. Oula. Pas par là. J'irai bien sur la statue quand même pour découvrir la région. Il me considère toujours en conflit quoi. Attends, est-ce que c'est la bonne? Putain non, c'est celle-là là-bas. Ça, je pense, hein. Ouais. Bah, tant qu'à faire, je vais faire d'abord celle-là. Hein. Je serai à côté. On fait voir au niveau des dégâts, là. Oh, au niveau des dégâts, ça va. C'est la, vraiment la zone de la muerte, là, qui est... Bon, là, ça va, niveau des dégâts. Ok. Ok, ok, ok. What the fuck? Ça veut dire quoi? Ça qu'on peut pas les pécho par derrière? Ah oui, d'accord. Le respawn qui va bien. Ah, le respawn. La sortie de pause.
essayer de contrer. Ah ouais, mais laisse-moi me relever par contre là. Ça va pas le faire ça. Enfin, j'en fasse plusieurs pour pouvoir le contrer parce que... Ça dégage. Elle monte. Là, des fois, elle veut pas monter, c'est con. Hein. As Phoenix approached the edge of the cliff, she sensed great power. It was the Moire, the three weavers of life and death. I can't believe how my daughters defy me. No fate should be more powerful than a god. Once Clotho spins the thread of life, Lachesis measures the length, and Atropos cuts it. There's nothing anyone can do. Not even you, Zeus. Bon, je vais pas faire le défi maintenant. Du coup, donc là, c'est ici. Et ça serait plus là-bas, là, la quête. Ok. Peut-être ce espèce de temple. Hein. On va aller grimper sur la couenne. Ok. Je sais pas sur celui-là si je vais pas. Lequel des deux est le plus joli? Celui-là est stylé quand même. Il est enflammé et tout. Ah. Ah ouais, grave. Celui-là. Il est où? Ah ouais, là, ça fait vraiment le vrai phénix quoi. Ok. Je vais peut-être faire une étape là. Fais la course, Phoenix. Course de Phoenix. Hey. Speed, hein. Ok. Monte. Allez. Ah, putain, c'est chiant quand ça fait ça. Monte. Putain. Bah, t'arrives au bord d'une d'une falaise, hein, tout en haut, quoi. Et... Ça reste bloqué comme ça, quoi. Le problème, c'est que quand ça t'arrive et que t'as plus d'énergie, t'es bien dégoûté. Au balcon. Ah.
Ok. Bon. Plus pratique, c'est peut-être de monter sur son pied celui-là. C'est stylé là, les statues pour repérer les régions. Phoenix climbed past the God of War's great feet, made for grinding his enemies to dust. Don't mean to get handsy, Ares. Excuse me. Lol. Est-ce que je peux pas faire un petit stop ici là? Voilà. Yes. Il était temps. J'ai peur qu'elle fasse nimp là dans le. Si j'étais monté tout droit, tout passé là. This statue's rippling stone displayed Ares's magnificent physical strength and brawny musculature. Doesn't hold a candle to me in my prime. Il fait trop rire Zeus. Franchement, il est trop fort quoi. Il y a toujours des répliques. Oui. C'est de... Ouh, ça a l'air sympa ça là-bas. C'est ça les squelettes de dragon? Ça doit être la destination alors. J'ai même pas fait gaffe à la boussole. Là, faut monter carrément tout là-haut là. Ah ouais. Avec sa tête de sanglier. Tumultuous home to Ares's imposing fortress, massive skeletons of conquered monsters, and bottomless canyons leading to nowhere. Nice cell. Elle est trop lourde à explorer cette zone, je le sens. Vu le level design. Donc la grosse forteresse là, je pense que ça va être kiffant. As Phoenix surveyed the terrain from atop the God of War, she spied a beast so majestic, it could be no ordinary creature. Ah, that must be my son. Not the sharpest sword in the barracks, but he'll knock Phoenix off her feet. Mark my words. C'est-à-dire, ça m'intrigue moi cette histoire-là. Et quoi, c'est ça? Rencontrer la majestueuse créature. Est-ce que ça serait pas ça la monture, justement? Et on voyait un ours. C'était où? Là-bas? Oh, tu parles, on voit rien. Dans la cinématique, on voyait quelque chose, mais... J'ai envie d'aller voir du coup. Bon, de toute façon, je vais faire un repérage de zone là. Donc, je vais mettre pause sur la vidéo. Putain, c'est stylé quand même. Il est pas ouf graphiquement, mais il a son style hein, ce jeu. Moi, ça avec le petit phénix et tout. Petit coucher de soleil. Excellent quoi. Ah ouais, si je reste à rien faire, il s'approche et tout. Trop fort. Cette forteresse-là, là, je pense que ça va être... quelque chose. Ah, c'est des chevaux qu'on voit. Ouais, c'est des chevaux. Ok. Et je pense que pour la quête du phénix, je pense que c'est là. Ah, c'est ça. Quoique, il dit 219... Bref, ouais, c'est près, il disait dans la cinématique, près de
Des ossements de dragon. Après, je pense que les ossements de dragon, c'est une zone à part, certainement. C'est vraiment très différent de la première zone. Hein. Putain. C'est hallucinant. Hein. On la voit d'ailleurs d'ici, là. Ah, pas trop. Hein. Et ça, c'est la toute première, là, derrière le géant. Et ça, c'est celle où j'étais juste avant. Qui remonte jusque là-bas. Trop fort. Bah, je vais faire du repérage et puis après je relance la vidéo. Excellent quoi, j'hallucine hein, franchement. Ça a vraiment été un pur kiff ce jeu. Allez, je mets ça en pause et je reprends. Bon, j'ai repéré un maximum de trucs. Donc on va aller là, mais je suis quand même bien tenté hein, d'aller voir. Putain, on voit plus rien. Est-ce que je peux attendre ici? Ouais, on va repasser de journée parce que cette zone-là de nuit, c'est l'enfer. Hein. Ouais, je suis quand même bien tenté d'aller voir. Je sais plus où c'est d'ailleurs. Ah oui, là-bas. Et là, de journée comme ça, là, est-ce que j'arrive à voir? Non. Je me demande si c'est pas là que je vais récupérer la monture. Mais bon, de loin, ça, on aurait dit un ours. Alors, est-ce que c'est un métamorphe ou je sais pas? Je sais pas. Bon, on va rester sur l'objectif. Faut pas que je me disperse. You did this looking for the clue, didn't you, Phosphor? No. The hollowed out beauty of violence is a gilded handle set upon the knife's blade. I heard that once. These people's poor houses. You may think I'm weak, but at least I try to live for something more than my own pride. Can you say the same? Okay. Je vais re-switcher, je pense pas que je vais combattre là. Alors, qu'est-ce que c'est qu'il faut que j'allume là? Cette poids. Ok, bon, c'est les deux flambeaux là qu'il va falloir allumer. Je trouve autre chose pour faire du poids. Je sais pas à quoi ils servent ces trucs là. Bon, soit je suis bigleux. Ah, c'est peut-être là-haut, là.
Et avec mon poids, moi, ça fait quoi? Ça suffit même pas. What the fuck, c'est des lions? Ah ouais, c'est des lions. Oui, si, ça me les ouvre, les trucs. J'avais pas vu. Quel bigleux. Ah ouais, d'accord, ça fait des lasers. Et ça m'a fait apparaître une deuxième chaîne. Par là qu'il faut passer. Ouais, c'est chaud, dit. Ok, donc là, ça me libère deux trucs. Ouais, je suis pas sûr qu'il y ait besoin. Ah ouais, bah non, parce que ça, je peux que les pousser, ça. Je peux pas les lever. Ouais, je peux que les pousser. Ça me paraît mal engagé, ça. Aussi, toi. Oui, le bescon. Faut que je mette l'autre, je pense, pour couper le rayon. Roam. King Cocolis's riches lie cold, waiting to be woven into temples and gardens, warmed by the blood of my heart and the fiery springs of my tears. Speak aloud, my beloved, as you turn the key, and you may enter my treasure room. Hop, dans le fion. C'est quoi ça? Ah oui, c'est les trucs... Ah ça, va falloir que je m'y intéresse quand même, parce que c'est... C'est limité dans le temps, quoi. J'ai envie d'aller voir là-bas, mais on dit je vais continuer la quête. Alors, je vais prendre la température vite fait avec le lion là. Ouais, bon ça va, ils sont en mousse. Je sais pas si je peux monter là-haut. Bon après, je sais pas si je vais plus vite en volant. Moi, je pense que si quand même. Mais... Elle court pas si vite que ça.
y avoir une belle grosse énigme là avec les trucs des dragons là. Oh, bah attends. Hop là. C'est pour faire les popos de. Les popos de d'attaque. Ah d'accord. Alors. Putain, il y a une grosse bestiole là. Ah, c'est un griffon. J'en ai affronté un déjà, un griffon, l'enfer. J'ai mis moins 10 minutes pour le niquer, quoi. J'avais pas le DPS. Alors, ça va, ils sont pas trop difficiles à dodge. Et, putain, je faisais pas de dégâts, c'était l'enfer. Là, je vois qu'il y en a un. Putain, plus un gros garde comme ça là qui fait pop d'autres gardes. C'est sympa ici, tiens. Et nous, on va par là. Oula, attends, c'est des ennemis, ça? Je vais être obligé de faire l'énigme de. Ah non, c'est plus loin. Ah oui, 388 mètres. On va contourner ce truc-là parce que. Ça sent la bagarre. C'est pas que j'ai pas envie, mais. Ça va. Si je veux essayer de finir. Merde! Putain. Je regardais OBS. Ouais, je suis déjà à 50 minutes. Si je veux essayer de finir cette quête-là dans la vidéo. Allez, cocotte, tu vas y arriver. Pas beau ça? Ok. Alors. C'est là. Ça marche. Where are you, Hermes? Show yourself! Or are you having this one fight your battles for you now? Well, so et comment qu'il détale? What the fuck? Ok. Merde. Merde.
Oh, ça m'a touché, quoi. Ça va, la hitbox? Ah bah super. Near the ultimate warrior sanctuary, there's a decision to be made. Don't be a bust. Treasure is best left to its own devices. And a key. Ah oui, c'est pas de la petite clé. À se la mettre dans le fion, celle-là aussi. Phosphor. Thank goodness you're safe. Ah, il fait plus perroquet là. Which, in my honest opinion, is a good thing. You would think being carried across the sky by a griffin would be full of wonder, but let me tell you, it was not. Plus, I'm allergic to cats. Well, there's always a next time. You live, you learn. C'est complètement what the fuck. Hein. He says you're a sorry excuse for a warrior. How's this bird doing for you so far? It's a work in progress. Rome wasn't built in a day. Rome? Yeah, it was our neighbor's house. He kept on having sons, so he kept on adding rooms. But then they all died from a plague, so now it's an inn named Rome, after the eldest son. May you deliver him to Charon safely. Oh, that ship has sailed. He didn't have the coins, so Cerberus ate him. Rum, 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 rum. Too soon. Ouais, comme ça, en vrai, il fait vraiment perroquet. On va virer ça parce que... Ah, oh, j'ai une nouvelle aile. Les lieux au père des lieux peuvent emmener leur porteur au sommet de l'Olympe. Oh, elles sont stylées. Les ailes de Zeus, quoi. Carrément. Ok, ben je prends. Du coup, on va lui changer son apparence, oui. Même comme ça, il va faire perroquet. Hein. Je crois que je vais le mettre sur les trois trucs, je vais mettre le vrai phénix, quoi. Là, j'ai déjà mis. On va le mettre là. Merde, change de... Hop. Alors, du coup, ça m'emmène où tout ça? Ah ouais, non, mais... Je fous de ma gueule, quoi. Ah, des nouvelles ailes et un nouveau griffon. Enfin, un phénix. Ok, bon, qu'est-ce que j'ai de plus proche, là? Ben, faut que je revienne là, quoi. Elles sont encore plus stylées les ailes là. C'est un truc de ouf.
Ok. Voyons, ça a fait du loot ici, hein. Allez. Ça. OK. Allez, c'est le temple là-bas. Ça a l'air intéressant ce qu'il y a en bas là. Elle monte. Je sens que ça va être sympa ici, tiens. Sympa. Poids ici. Et hop, ça dégage. Oui. Donc il doit me servir à combler les trous.
à boucher les lasers. Tu en as d'autres, des trucs. Oh merde! Elle l'a détruit. Non, j'ai pas le choix. Alors, on regarde déjà le dessin. Celui-là à gauche. Le problème, c'est si je bouge celui-là. Après, c'est ces deux-là qui vont me faire chier. Oui, c'est bon. Pas poussé là. Mais... Ah, c'est le rayon qui faisait ça. Je pouvais pas le prendre. Oh, bah super. Est-ce qu'il va avoir sauvegardé après le combat des machins là? Ouais. Par contre, faut que je récupère le truc. Oh merde. Ah ouais, carrément. Ah bah attends. Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses en dessous? J'ai pas pensé à regarder. J'ai bien fait de l'envoyer à côté. Ça m'en fait deux. Ok. Donc, l'autre, il est là-bas. Ensuite, le premier à me faire chier, c'était celui-là. Je sais pas pourquoi ça a merdé tout à l'heure. Hein. Bizarre ça. Ah, là. Ah bah non, mais je suis con, c'est bon, il est en place. Saute. Saute. Putain. Des fois les commandes elles font ce qu'elles veulent quoi. Du coup là, il faudrait juste que je puisse pousser ça. Donc il faut pour les deux là. Un peu histoire d'être sûr.
C'était pas ça? Ah non, putain, c'est un bescon le tableau en fait. Ouais, j'avais pas fait gaffe. J'ai regardé vite fait. Ah non, en fait, c'est dans l'autre sens. Ah putain de merde. Attends, est-ce qu'il faudrait mieux pas que je le réinitialise? Peut-être mieux. Ça faut que ça aille à droite et lui à gauche. Si ça c'est à gauche, ça faudrait que je le mette tout au fond. Ça hein. Non. Attends. Non, ça c'est celle de droite. Ça. Ça va rester à droite. Où je mets celui-là. Donc là. Ah, là j'ai déjà le truc ici. Alors comment je peux faire pour les inverser sans avoir besoin de les bouger 100 fois. Oui. Il faudrait que je récupère. Ah oui, d'accord. Ok. Il faut que je rebouche les deux. Ok. Oui, forcément. Forcément. Donc là c'est bon, j'ai plus qu'à pousser le fond maintenant. Alors il faut que je bouche celui-là. Putain, c'était juste hein. Les deux là. Alors allez. Ah, y a celui-là qui peut me toucher. Non, non, c'est bon. Ok. Ah mais en fait c'était pas du tout là la quête, je suis en train de faire ça pour rien moi. Ok. Ça, c'est les oiseaux que j'ai trouvés, ça, je crois, non? Ah. Ouais, du coup, ouais, bon, c'était pas du tout... La mission était pas du tout là, en fait. J'ai déliré, moi. De où, là, 200 mètres. Je sais pas pourquoi, j'ai cru que c'était le truc à faire. Mais qui perd du temps à faire un truc. De enfin, toute façon, bon, faut les faire. Hein.
Ah, du coup, je suis à 1h15 là, putain, fais chier. Alors, 60 mètres. Apparemment, c'est ici. Loot. Pas de loot. Ouais, let's go Tartare alors. Bon, j'ai pas fait la bonne énigme, on repart sur une autre. Quelle difficulté il va être celui-là. Ah oh putain, difficulté 3. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? D'accord. Ah ouais, mais celui-là il va exploser. Bah oui, voilà. J'en étais sûr. Comment tu veux que je fasse là? Un truc caché derrière ou quoi? Je comprends pas là. Est-ce qu'il tire direct le truc? Attends, je suis teubé ou quoi? Est-ce que de toute façon je peux pas le mettre ailleurs quoi? Comme ça, ça passe pas. Ouais, ça fait pile poil la largeur du truc. Attends, what the fuck là. Comment tu veux que je fasse? Puisque les trois, il y a des rayons. Donc, sur aucun des trois, je peux mettre le truc là. Est-ce que c'est pas que je suis censé avoir un pouvoir que j'ai pas? Ça m'a fait ça tout à l'heure. Il me fallait un pouvoir que j'avais pas quoi. Parce que là je vois pas comment je peux utiliser cette caisse sur un des trois quoi, je peux pas là. Oui bah, je crois que c'est un fail hein. On va pas pouvoir finir la quête. Ah merde, c'est très con ça. Je sais pas, peut-être avoir un pouvoir qui me permet de changer cette caisse-là en quelque chose de plus solide, quoi. Chelou. On est d'accord qu'il n'y en a aucun qui s'arrête, là, quand je mets... Ah, mais attends. Est-ce que c'est pas que... Si je mets ça là... Si du milieu s'arrête, ouais, si c'est ça. Ok. Moi je me disais c'est bizarre un pouvoir qui durcit la caisse.
Ça n'a pas de sens. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de coffre dans celui-là. Juste à faire le truc. Bah, des fois, faut te faire chier à aller chercher les coffres et tout, c'est casse-couille. Alors. Waiting for you to beat him with a whip, for he has failed you. I thought he'd never ask. What? No. No one deserves to be tortured for messing up. Just live, learn, and try harder next time. But I wasn't perfect. No one's perfect. I love you anyway, Phosphor. Comment elle marche comme un bonhomme à des moments, quoi. Brilliant. Alors, donc là, on a de nouveau une caisse comme ça. Ici, une caisse lourde. Ici, une caisse légère aussi. Enfin, légère, qui se détruit, quoi. Comment faire ? Est-ce que c'est que ça coupe encore des... Ça me donne le temps de le voir, même pas. Parce que là, si je la récupère, mettons que je bloque ici, je vais quand même avoir les rayons de là-bas. Comment je peux faire? Évident, hein. Quand même faire le tour, on sait jamais, ils m'ont peut-être planqué un truc. Non, je pense qu'il y a que ces trois caisses là, mais du coup, ouais. Je vois pas là de premier abord comment je peux bloquer deux rayons à la fois, quoi. Enfin, deux groupes de rayons. Ouais. Parce que là, admettons, j'essaie de bloquer deux rayons là, ça empêchera pas d'avoir des rayons ici. Là, je peux bloquer aucun rayon. Et admettons ici, si je le mets là, je bloque ça et je bloque ça. Ou ici. Ah non, ici je serais baisé aussi. D'accord. Donc en fait, ici ça déclenche celui-là. Et ici. Là. Ok. Ah bah non, parce que quand je vais mettre celui-là... Ah, attends, comment je peux faire? À moins que ça le déclenche pas. Vu que ça sera en dernier. Essayez.
Ah oui, c'est à prévoir. Je protège la caisse étant en face de deux. Est-ce que je vais réussir à bloquer les deux là? Normalement oui. Je pose dans l'alignement. Ok. Ça, c'est du combat normalement. Let's go. Alors. On va attendre que j'arrive là. Ça va peut-être être le griffon de nouveau. We did it, ouais, t'as raison. Ouais. Pas fait grand chose, toi. Let's nab it and get out of here. Thank you for all your help. It's been an honor fighting by your side. Il est trop stylé comme ça. Hein. Phoenix, run! It's a trap! My little fire. What have you done? We had a plan. I hit you with my lightning so that you would take advantage of their kindness, exploit their weaknesses, and bring me the winged thief. But instead, you are helping them! I am done with you. Into oblivion you go! The both of you! On attaque là parce que... Finish him. Headshot. Bon, il était vraiment facile. Je pense que c'est fait exprès pour que tu puisses récupérer le phénix rapidement. Technically, Phosphor also nearly killed us. He did the right thing in the end. That's what matters. When you ran away, finders keepers. Oh, I can't with you two and your antiquated honor. You're no fun. I'm out of here. Votre honneur à l'ancienne.
Ah, l'honneur, c'est l'honneur. Hein. Je te jure. Ah, donc là, normalement, j'aurais pouvoir l'utiliser maintenant. Il est. Want to stay with me? Well, come on then. And I apologize in advance for embarrassing you in the future with my compassion and charity and messiness and long-winded stories. No, you can't take it back now. You're stuck with me. Shut up, bitch. Ok, alors du coup. Et ça me met pas de tuto pour me dire que je peux l'utiliser. Ben ça, c'est très con ça. Oh oui. Ça font quoi ça? Ah oui, putain, c'est vrai, il faut que je change les ailes. Ouais, bon, je vais voir ça après. Et du coup, ça m'a débloqué un nouveau truc. Ouais. Il est pas mal comme ça. Ok. Ok, bah, moi qui pensais pouvoir le débloquer, je peux toujours rien faire avec lui, quoi. Ça, normalement je suis censé l'utiliser avec B, mais... Alors, est-ce que c'est qu'on peut s'en servir que dans certaines circonstances? J'ai même pas fait gaffe. Est-ce que j'ai une quête avec lui là? Absolument pas. Ah, c'est quoi ça? Je suis pas agent depuis la statue d'Athéna. Ah si, c'est pas fini. Ah ben non, rejoindre le bordel. Bon, ben, je me suis fait niquer, quoi, simplement. Pas niquer, non, mais bon. Je pensais que j'allais pouvoir l'utiliser après, en fin de compte. Du coup, je comprends pas à quoi il sert, c'est... Un peu mal branlé, ça. Parce que c'est un truc qu'on m'a dit de faire quand je suis arrivé dans cette région. Au final, ça m'emmène là, là-bas. Tout ça pour rien, quoi. Stylé, ça va être sympa cette statue à escalader. Est-ce que c'est qu'il faut que je revienne ici, peut-être? Pour parler avec Hermès? À 1h30 la vidéo, bordel. Let me know if you're in the market for anything. Il est où? Il est où? Il est où? Il va juste me vendre. Ouais, il me vend juste des trucs. Ouais, je sais pas. Ouais, franchement, je sais pas. Bon, bah, de toute façon, je vais arrêter la vidéo là. Le petit panorama sympathique. Et puis, bah, voilà, hein, dégoûté. Je vais quand même, je pense, essayer d'aller voir. Ouais, bon, ça, c'est les trois trucs. Ouais. D'aller voir l'ours là. Des fois que là, ce coup-ci, ça me débloquerait quelque chose. Je sais pas. Voilà, bon.
J'ai débloqué le machin. Peut-être qu'à un moment donné, dans une certaine situation, il me proposera de l'utiliser. Je sais pas. C'est bizarre. Bon, en tout cas, il est complètement rétabli. Il est plus lié apparemment à Typhon là. Bon, on va voir. On va voir. Allez, merci d'avoir regardé. Et à la prochaine. Ciao, bye bye.